Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie à corps de SkyWay. Alors, après cette petite vidéo, bien évidemment, qui nous montrait les différents progrès de la technologie de l'année 2020, durant l'année 2020, bien en sachant qu'actuellement, les choses vont encore évoluer bien plus. La technologie se dispute par les plus grands médias du monde entier, de CNN à TV Tokyo, en passant par Euronews, France 2, autant pour moi. Alors, je suis très content d'avoir investi dans ce projet, ce nouveau mode de transport qui viendra révolutionner le monde du transport. Eh bien, pourquoi j'ai investi dans la technologie? Beaucoup de personnes se posent la question. C'est très simple. J'ai investi dans la technologie parce que c'est une opportunité exceptionnelle de créer un avenir prospère pour moi et pour mes proches. Ben voilà une raison que je vais partager avec vous aujourd'hui pour laquelle j'ai investi dans le projet. Parce qu'en fait, moi, je suis Donatien Gerard et je suis du côté du Cameroun et depuis que j'ai eu vent de ce projet, je fais des efforts, bien évidemment, afin de partager l'opportunité qu'offre aujourd'hui SkyWay à tout un chacun de devenir copropriétaire de cette technologie unique de transport innovante SkyWay. Alors, chaque jour, je partage l'opportunité. J'aide ceux qui veulent investir dans le projet et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire parce que c'est le genre d'opportunité qui arrive, je dirais, en moyenne tous les 15 ans. OK? Donc, qu'est-ce que vous attendez? Investissez aujourd'hui dans la technologie de transport SkyWay et garantissez un avenir sûr pour vous et pour vos proches. Déjà, en parlant ici, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est celle-ci, le projet SkyWay passe à la sous-étape 14.2. Alors, nous sommes donc heureux d'annoncer que le projet SkyWay passera à la sous-étape de développement 14.2 le 21 juin à 23h GMT+3. Pour ceux qui sont au Cameroun, bien évidemment, c'est 21h59. La sous-étape actuelle a commencé en décembre 2019 et était la plus longue des autres étapes car son début a coïncidé avec la pandémie à coronavirus. Malgré cela, donc, le projet a continué à se développer au cours de la dernière année et demie. Au cours, le projet continue à se développer au cours de l'année et a atteint de nombreux objectifs. Au cours de la sous-étape actuelle, au Centre de recherche et développement d'Unitsky String Technologies à Sharjah, il y a eu plusieurs éléments à savoir: la démonstration du transport SkyWay pour le transport des conteneurs, on a terminé l'extérieur et l'intérieur de l'éco-house, on a fini la construction des supports d'ancrage pour la ligne lumineuse de 400 mètres, on a établi les services publics nécessaires et asphalté les routes de tous les bâtiments. Il y a eu aussi l'installation des supports intermédiaires pour 2 voies ferrées lourdes de 2,5 km. On a annoncé le premier projet ciblé qui est prévu pour la voie de fret Skyway de Sharjah à la ville de Khor Fakkan. Aussi, on a annoncé la transition du centre de recherche et développement vers la deuxième des 3 phases de sa construction. Puisqu'il y a 3 phases, on est en train d'aller vers la deuxième phase. En Biélorussie, depuis 1 an et demi, il y a eu plusieurs choses, à l'instar des trains roulants de nouvelles UniBus de 25 places. Aussi, il y a eu le début de la construction de la 7e piste de l'éco-technoparc. Il y a eu l'installation de nouveaux équipements sur la piste de production Skyway. Il y a aussi eu le déplacement du personnel du promoteur de l'entreprise dans un nouveau bâtiment spacieux. Il y a eu célébration de l'EcoFest pour la première fois au format en ligne. En plus des principales réalisations mentionnées, le personnel et les partenaires du groupe de société Skyway ont continué à travailler au développement du projet et à le mettre sur le marché commercial chaque jour. Le groupe d'entreprise Skyway a déjà des plans pour les prochaines sous-étapes, qui consisteront donc à tester le transport de marchandises lourdes au centre de recherche et de développement, la participation de Skyway au salon de Dubaï International Expo et conclure des contrats sur des projets ciblés d'ici fin 2021. Selon la direction, cela fait également partie des plans qui attendent leur mise en œuvre dans un proche avenir. Comme de nombreuses décisions sont en préparation et prises de manière confidentielle, nous ne les révélons que progressivement au cours de la phase 14.2. Ainsi donc, vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'au 21 juin plus de parts, parce que la remise sur les offres d'investissement dans le bureau personnel sera réduite à mesure que nous entrerons dans une nouvelle sous-phase. C'est pourquoi vous pouvez investir dans le projet Skyway à un rabais plus élevé pour gagner plus d'actions aujourd'hui. Eh bien, entrons donc en détail dans qu'est-ce que Skyway. C'est très simple, c'est très simple. Skyway, en fait, c'est un système de transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Étant donné qu'on est au-dessus du sol, ceci permet d'éviter les embouteillages. Fini les embouteillages. Et aussi, ce système de transport peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel climat. La construction du centre de recherche à Sharjah aux Émirats arabes unis le montre clairement. Mais déjà, il faut savoir que tout a commencé depuis 1914. OK? Cette technologie est apparue depuis 1914. Où une usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté, comme on peut le voir sur ce schéma, le monde dans un avenir proche. Il y a une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. OK? Et sur chacune d'elles, il était représenté ce transport inhabituel que vous pouvez voir là. L'artiste a prédit avec précision ce qui se passerait sur la terre, le pandémonium des hommes et des machines. Dans l'illustration suivante, on peut voir les hommes et les tramways qui entrent en collision, les voitures aussi. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste que depuis 1914. C'est pas anodin ça. Cette situation qu'on peut voir là ne nous est pas du tout indifférente. Au contraire, elle nous est très familière. C'est notre monde, le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit dans le domaine, dans le système de trains, des navires, des avions, que ce soit par actes terroristes, que ce soit dans des conflits militaires, des catastrophes naturelles et des blessures professionnelles. Ce chiffre est assez grand. Sur cette image, donc, on peut voir que le transport, les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports étant surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Grâce au système de transport unique compte que SkyWay propose, cela permettra de décongestionner les ports. Alors, entrons donc dans le vif du sujet en précisant déjà quels sont les différents problèmes que rencontre le transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dense des routes et la mort des personnes causée par le manque de sécurité. Regardez vous-même, en construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme. Comme on peut le voir, les ponts qui se détruisent, les routes qui sont bloquées en temps de neige et dans le désert, les sables qui envahissent carrément les routes. Sur cette image, on voit que l'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez les animaux aquatiques, ils ne peuvent plus supporter. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne peut plus supporter. La nature ne peut plus supporter. Un autre problème très présent, c'est le carburant que l'on utilise. C'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Ainsi donc, entamons le prochain problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Mais avant d'y arriver, il faut savoir que le passage du transport moderne dans l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous la connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, nous entamons le quatrième problème, qui est le quatrième défi, celui de réduire la consommation d'énergie. De différentes manières donc, et dans différents pays, au fil des années, des gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel restent évidents. D'autres tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. D'autres tentatives de résoudre ces différents problèmes existent aujourd'hui, mais se sont toujours avérées inefficaces. Avant de continuer, donc revenons à ces fameuses images de 1950 et 1905. Elles n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies de déplacement sur un câble tendu et un moteur intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues roulantes par des roues électriques, nous obtenons un nouveau transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre avec les analogues qui fonctionnent sur la base du rail traditionnel comme le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc des montagnes. Voici donc le transport que nous allons examiner aujourd'hui. Lui, il a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant de débuter, à ce niveau, j'aime bien toujours m'arrêter et j'aimerais que vous lisiez avec moi cette assertion de Anatoly Unitsky, concepteur général de SkyWay. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. J'espère que tout le monde a vu où on va. On est en train de créer une industrie qui est nouvelle sur le marché. Un nouveau système de transport qui n'a jamais existé avant. Donc, sans analogue. Fixons-nous donc le problème, avant de continuer. Le problème consiste donc à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. On est tous d'accord. Et selon le schéma de construction et de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore. Je dirais de détruire la faune et la flore. Les animaux ici restent innocents. Bien, on peut voir tout cela donc sur ces figures. Regardez, pour construire nos routes, on voit la destruction de la faune et de la flore. Et pour le passage d'un train, on voit la destruction carrément de la nature. On peut le voir dans cette image. Et la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Après cela, alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au 2e niveau en construisant un pont. Chose que les personnes ont déjà essayé aujourd'hui, mais c'est toujours avéré inefficace pour résoudre ce problème. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Regardez bien cette guitare. Alors, imaginons donc qu'au lieu d'un pont lourd et coûteux comme ce qui est utilisé aujourd'hui, on pose le câble. Ensuite, les supports lourds ne sont pas nécessaires puisque le câble lui-même il est déjà léger. On le remplace par des supports légers. Ensuite, on va tirer le câble. Et nous fixons ensuite les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. C'est pour ça que je vous ai demandé précédemment de regarder la guitare. OK? Bien, maintenant donc, nous enlevons les supports intermédiaires qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous entourons, nous obtenons donc une structure de rail unique. Et cette structure de rail-là, on peut la voir sur cette image avec les différentes caractéristiques. On a le corps du rail, les cordes, on a la tête du rail, on a la remplisseuse. Sur cette base donc du rail à cordes, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Regardez cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail flexible ou bien souple. Ce photomontage que vous pouvez voir là montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit, qui est près de 600 mètres pour ce photomontage, puisque c'est une image réelle, on a ajouté des éléments, peut être facilement bloquée par une seule travée. Il s'agit là d'une image du pont sur la Dvina occidentale, qu'on appelle la Riga. Ici, ce n'est pas un photomontage, oh que non, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc près de la ville de Minsk en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet à rail est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers et l'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Ce qui fait qu'on a affaire déjà à quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez sûr. Aussi, il faut savoir que le système a bien sûr, la conception a bien sûr un système anti-déraillement spécial. Il est possible, bien évidemment, de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème logistique, vu que ceci est un grand avantage dans ce contexte sanitaire que nous vivons aujourd'hui, vu que cela permet d'éviter de mettre des gens entassés dans un seul véhicule, comme ils seront serrés comme des sardines. On peut faire les mettre dans plusieurs wagons automoteurs séparés et les envoyer les uns après les autres. Ce qui fait que déjà, il n'y aura pas un grand nombre de personnes regroupées au même endroit. Ensuite, ceci permet donc d'être un plus pour la lutte contre la maladie à COVID-19 qui se répand partout dans le monde aujourd'hui. Toujours ces fameuses photos. Revenons-en à ces photos, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci que vous voyez là est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante donc pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Regardez par exemple sur cette image, on se rend compte que sur le transport de second niveau, les flux d'air d'au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la chaufferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Là, on a affaire, bien évidemment, à une comparaison entre un unibus à grande vitesse de SkyWay et une voiture conventionnelle moderne. Et on se rend compte que le coefficient de traînée est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne, ce qui va permettre d'économiser, imaginons, près de 10 fois moins de carburant. En réalité, voici l'appareil en grandeur nature qui vient d'être monté sur le schéma précédent. Et les engins Skyway vont permettre d'économiser jusqu'à près de 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Ainsi donc, sur cette image, nous pouvons revenir aux différents problèmes que rencontre le système de transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et surtout la forte consommation d'énergie. Sur ces différents histogrammes qu'on peut voir là, on se rend compte que le système de transport Skyway offre la solution la plus optimale en comparaison aux autres véhicules modernes en termes de caractéristiques, que ce soit au niveau du coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident de transport. L'histogramme représentant le système de transport Skyway, bien évidemment, est peint ici en vert. Ici, on a aussi un autre graphique qui montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport modernes, conventionnels. Sur cette image, ce tableau montre une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Ici, il y a une comparaison entre système de transport Skyway, le monorail, le train à lévitation magnétique et le projet Hyperloop. On se rend compte que le système de transport Skyway a la plus grande sécurité. Au niveau de l'adaptabilité, il n'y a pas de limite. Au niveau de la vitesse, il peut aller jusqu'à 1200 km par heure. Et au niveau du prix par kilomètre, le coût par kilomètre est près de 10 fois inférieur aux autres existants et projetés. Ce qui fait qu'on a affaire à un système de transport vraiment, vraiment que tout le monde attend. Donc, le système de transport de deuxième niveau Skyway est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Comme je le dis toujours, à tout seigneur, tout honneur, voici le monsieur qui est caché derrière cette grande invention. Il est auteur du projet et il lui a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site, son site, unitsky.engineer. C'est un homme très connu dans le monde scientifique. Il y a aussi des matériaux, bien évidemment, sur le site pour ceux qui sont particulièrement curieux, avec calcul détaillé. Actuellement, cette mode de transport pour les passagers ont été développés, comme on peut le voir là. On a l'UniWin, l'UniBike, l'UniBus, 2 modèles, l'UniCar, 2 modèles, et l'UniBus à grande vitesse. Et là, cette image, vous pouvez voir donc ces différents modes de transport de passagers en grandeur réelle avec les différentes caractéristiques. Autre part, 4 modes de transport pour les marchandises aussi ont été développés, à savoir l'UniConte, l'UniTruck, un deuxième modèle, et l'UniTrans. Bien, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de l'air. On peut le voir là que ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal et avec les méthodes modernes de livraison de structures par des drones volants, également fournis par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre donc facilement dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser des bâtiments sans changer la fondation. Regardez bien cette image. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de SkyWay. Bien sûr, il est impossible de passer devant l'appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site unitsky.engineer. Bien, la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur SkyWay a été calculée et évaluée à une valeur de 400 milliards $. Cet audit financier a été fait par un cabinet d'audit financier indépendant russe. Donc voilà le lien au site, qui fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et de conseil estimés de Russie. Un autre audit a été effectué par des représentants de l'entreprise KPMG, qui ont effectué cet audit, et les résultats de l'étude et la conclusion d'experts visent à démontrer la viabilité des ressources et de l'organisation du développeur de SkyWay pour les partenaires KPMG. Et il s'est avéré que, effectivement, la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur SkyWay a été calculée à une valeur de 400 milliards $. Il faut savoir ici que KPMG est l'un des 4 plus grands cabinets d'audit au monde, à côté des cabinets Deloitte, Ernst & Young et PwC. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Là, c'est quelques certificats, brevets et récompenses aussi. Et ici, sur les diapositives que je vous montre, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Autant pour moi. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web unitsky.engineer. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Ah, d'accord. Pour ce faire donc, la société Unitsky String Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 m². Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées. Pour le transport de marchandises et de passagers, pour le transport urbain et interurbain, transport à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours d'exécution. L'un loin de Minsk se trouve l'éco-technoparc de SkyWay, qui est le premier site d'essai, de certification et de démonstration de la technologie à cordes. Cette photo a été prise en 2016 et là-haut était la maquette, le plan de construction qui devait y être fait. Et là, déjà 3 ans plus tard, cet endroit ne peut plus être reconnu. On n'est plus en train de parler d'une maquette, mais c'est une image réelle. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur le site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation SkyWay aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah plus précisément. Le centre d'innovation SkyWay de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe SkyWay lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction aux Émirats arabes unis de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie SkyWay peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus, comme le métro ou le tram ne nous surprennent plus aujourd'hui. J'aime bien cette image parce qu'elle montre d'où on va, et tout a commencé en 2014, où la société a décidé de passer par le financement participatif afin de récolter les fonds pour pouvoir se développer. Et en 2014, elle a établi son développement sur 15 étapes. Actuellement, nous sommes à l'étape 14.1. Comme je l'ai dit au début, on passe à la sous-étape 14.2 le 21 juin. Le moment d'investir dans la technologie, c'est maintenant. Parce qu'après la 15e étape, vous ne pourrez plus être copropriétaire de tous les projets commerciaux que SkyWay réalisera. OK? Vous ne pourrez plus bénéficier de tous ces projets, mais juste de quelques projets qui seront des projets ciblés. Le meilleur moment d'investir, c'est maintenant, pas demain, maintenant. Et déjà aujourd'hui, l'entreprise Unitsky String Technologies a déjà des contrats avec plusieurs pays, à l'instar des Émirats arabes unis, bien en vue, de l'Estonie, du Vietnam, la Finlande, la Russie, la Slovaquie, le Kenya et aussi le Nigeria. Alors donc, pour pouvoir chuter, nous pouvons dire que le système de transport SkyWay est un système innovant au vu de tout ce que nous venons de montrer et de voir, au vu des différents problèmes qu'il vient résoudre. Il est innovant. Aussi, il se déplace au-dessus du sol, bien évidemment, comme on l'a vu, c'est un transport de 2e niveau. C'est un transport à haute vitesse car il peut aller jusqu'à 1200 km/h. C'est un système de transport sûr, car l'influence du facteur humain est éliminée. Il est efficace, facilement intégrable, on l'a bien vu, et surtout, le plus important de tous, il est écologique. Alors, voici, on est arrivé à la fin de cette présentation, mes chers amis, et avant de vous laisser, j'aime bien cette vidéo de présentation de l'Unibus à grande vitesse de SkyWay que je vais mettre pour vous et j'espère bien que vous verrez jusqu'à la fin et vous comprendrez qu'on a affaire à quelque chose de vraiment, vraiment magnifique.